Bonjour mes pots d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc je viens, même si j'ai pas beaucoup de batterie, je suis obligée d'être chargée, mais au moins vous faire une petite guidance et on va parler de flammes jumelles. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement. De toute façon, flamme jumelle égale aussi lien d'amour très profond. Donc tout dépend aussi le lien que vous avez. Donc bien sûr, prenez un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir justement au moment que vous regardez cette vidéo. Et le prenez pas mal si ça ne vous, si ça nous va, vous parle pas, c'est que ça vous parlera la prochaine fois. Donc là, je parlais d'une jeune créatrice qui là, a créé un bel oracle de flammes jumelles que j'adore, qui est Luciam. Qui a fait d'autres oracles, l'oracle des réponses, de la date, plein de petits oracles que j'ai. Et je vais vous faire des guidances pendant quelques temps avec, comme je fais aussi avec d'autres. Et donc, ben là, aujourd'hui, ça va être. Donc, on va commencer avec l'oracle du Tao pour les énergies. Déjà, pour voir un peu. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Le rassemblement. Alors, je tire trois cartes et je vais vous dire de quoi ça me parle exactement. Donc bien sûr, moi, on me parle qu'on a envie d'être ensemble, hein, de s'unir, hein, d'être ensemble. Mais l'abysse, donc pour le moment, ça ne va pas. On n'est pas bien du tout. Il y a des forces supérieures, des sentiments obscurs pour le moment, des confrontations, des peurs. Mais en tout cas, on va essayer de trouver la paix. Donc bien sûr, le tout, c'est de retrouver un équilibre, de l'harmonie. On va voir ce que ça nous donne. C'est en tout cas, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'obstacles. On va essayer de voir de quoi ça nous parle. Donc bien sûr, petit oracle que honnêtement j'aime bien. Carte qui existe très très bien. J'aime bien le derrière, c'est vraiment flamme jumelle. Et les cartes sont juste magnifiques. Regardez. Voilà. Très belle carte. On va commencer. Donc, ben on me parle de lâcher prise. Ben, là, ce qui est bien, c'est que dans cet oracle, on parle des étapes. Ça, c'est l'étape 5, hein, vous voyez. Donc ça, on en parlera un peu mieux du parcours de flamme jumelle. On va donner quand même de nouvelles après un lâcher prise. Pour avoir une évolution, bien sûr. Et on a le choix, des choix à faire, bien sûr. Ce qu'on disait, c'est qu'il y avait des peurs, hein, bien sûr. Eh oui, il y a eu une séparation. Qui est-il l'étape 3, hein, par laquelle on a dû passer. Voilà, donc une autre. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a eu une autre partenaire où on doit bien sûr. Alors certains, bien sûr. Ben, si ils vont vers une autre partenaire ou un autre partenaire pour guérir, bien sûr. C'est un système de guérison, c'est pour avancer. Mais ça veut dire, bien sûr, qu'on trompe la personne. Donc, bien sûr, entre deux, entre le lâcher-prise et la séparation, bien sûr, il y a eu la nuit noire de l'âme. Bien sûr, on était avec un autre partenaire.
On s'est retrouvés dans les profondeurs, vraiment pas bien. D'où les choix, on a du mal à acter les choix, puisque en étant dans la nuit noire de l'âme et dans les profondeurs, on n'est pas bien. Et bien sûr, accompagné d'une autre partenaire, ça c'est sûr que dans tous les cas, ben, on prend pas les bons choix. Bien sûr, ben, on sait, on connaît le lien, on s'est reconnu, c'est voilà. Mais bien sûr, les étapes pour le moment ne se passent pas comme elles devraient se passer. Donc on pense à notre fusion. Mais avant tout, il faut guérir. Bien sûr, on a envie d'être ensemble. Eh oui, il y a d'autres partenaires qui sont toxiques aussi. Ah ben voilà, alors d'autres qui sont pour aider à guérir et d'autres qui sont là pour qui sont toxiques. Alors ceux qui sont toxiques vous mettent bien sûr dans les mauvais choix, dans les profondeurs. Et les autres, bien sûr, vous aident aussi à guérir par rapport à votre fusion, à votre. Donc bien sûr, on est dans les doutes, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. On a reconnu la personne, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas si c'est vraiment un groupe, un couple. On a eu bien sûr, pour certains, une belle, la sexualité sacrée, ce qu'on appelle vraiment une belle fusion. Donc on ne sait plus, c'est un lien qu'on ne reconnaît pas. Qu'on reconnaît, mais c'est pas pareil, donc on se pose vraiment des questions. Oui, on travaille sur, bien sûr, sur notre âme. Ça a touché notre âme, tout ça. On a besoin de guérir. Il y a beaucoup de jalousie. Les partenaires toxiques sont beaucoup jaloux. Voire nous tourner le dos hein, pour nous obliger à quitter le lien. Et bien sûr, ben, il faut faire tomber les masques par rapport à cette jalousie, à cette noirceur. Même si on est aidé par des personnes qui sont là pour nous aider à guérir, de toute façon, c'est le chemin des flammes jumelles hein, et de tout lien d'âme. Mais il faut tomber les masques déjà de soi-même, de se dire mince. Je suis avec quelqu'un avec qui je suis bien, j'ai reconnu cette personne, mais j'ai des doutes, d'accord? Donc je m'empêche d'avancer. Avec le temps, bien sûr, on va faire tomber les masques. On va inviter aussi notre autre, mais on va laisser. Pour certains, vous allez laisser tomber à cause des personnes jalouses. Mais en tout cas, vous allez surtout inviter une personne que vous avez abandonnée. Oui, c'était le karma. Ça devait se passer comme ça. Donc ben, on a tendance, c'est que oui, ça a mis du temps, le temps de comprendre que bien sûr, ben, cette invitation a été belle, hein, vous avez abandonné la situation, ça a été le karma, et le temps de tout comprendre, ben oui, ça a mis du temps pour se retrouver dans la complétude de nous. Voilà d'où les obstacles.
Et on pense toujours à cette invitation où il y a eu au moins ce baiser, ce fameux baiser. Et on aimerait toujours retrouver ce moment et rentrer, ben, passer à l'action, quoi. J'aimerais au moins trois, parce que vous allez rentrer en action, essayer de voir un peu. Bon, voilà, là, il y a des... Vous êtes en opposition. Est-ce que je vais rentrer dans l'action? Est-ce que c'est le karma? Est-ce que je pense à beaucoup de choses? Qu'est-ce que je fais? Alors, en tout cas, on va essayer de vous guider. Des personnes, des bonnes personnes vont essayer de vous guider. Et bien sûr, l'univers est là pour vous guider. Le runner, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. Mais, eh oui, il reste dans ses rêves, donc il ne rentre pas dans l'action. Il y aura une discussion, des récompenses. Pour passer déjà la première étape, se réconcilier. Et on essaye, ce sont des récompenses par rapport à la première étape, au début de notre histoire, de recommencer, de retrouver nos rêves. Oui, on lâche prise par rapport à la séparation. Pourquoi? Parce qu'on va reconnaître le lien par rapport aux doutes, les masques, le karma, les contraintes, les discussions qu'il y a pu avoir. Pour certains, bien sûr, la sorcellerie, hein, on se sent ensorcelé. On se sent rejeté aussi parce qu'il y a le rejet. Mais on comprend qu'il y a une autre dimension. Et qu'on veut une progression. Donc là, il y a vraiment la justice divine, l'équilibre que vous allez retrouver pour vraiment vous retrouver. Vous comprendre. Et pour changer. Pour comprendre que votre contrat divin, c'était d'être, de vous retrouver, même si c'est une dimension divine, une autre dimension que vous ne comprenez pas, parce qu'il faut garder la foi, en tout cas, surtout pour Monsieur le Runner, d'être dans la complétude, faire tomber les masques, de comprendre qu'il a une sexualité sacrée qui doit guérir en profondeur et évoluer, même si c'est avec d'autres partenaires pour guérir, mais qui reconnaissent ce lien de sexualité sacrée et qui pense au moment où vous êtes rencontrés, cette invitation et de revouloir vous inviter, rentrer dans l'action. Bien sûr, il faut qu'il fasse le bilan de tout ça. Qu'il comprenne que c'était un apprentissage de la vie, hein, bien sûr. Qu'il revoie aussi, qu'il change par rapport à son éducation. Qu'il travaille sur le pardon. Et que le chaser aussi après, bien sûr, parce que qui pardonne le chaser,
Chaser qui a des sépeurs. Alors je vais mettre sur le côté. Parce que j'ai pas assez de place. Mais bon, ça m'empêchera pas de... Alors le chaser, bien sûr. Alors, madame la consultante, elle a ses peurs à travailler par rapport à la rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est dans le bouleversement. Bon, elle va s'occuper d'elle. Se reconnecter vraiment à la source. Hein. Vraiment, elle... elle comprend où elle est. Qu'elle est bien sur Terre. Qu'elle connaît sa dimension. Bon, bien sûr, elle est en crise hein, parce qu'elle s'est sentie rejetée. Elle va se reconnecter à ses amis sur le plan terrestre, entre guillemets, et reconnaître ses dons. Donc ça, c'est déjà très très bien. En tout cas, il y a des choix à faire, qui sont à faire en profondeur. Bien sûr, par rapport à des personnes toxiques, où il y a de la jalousie, de l'abandon aussi, hein. Et parce qu'on se sent abandonné, il faut rentrer en action par rapport à nos rêves, notre foi. Progresser, bien sûr, par rapport au changement qu'on a envie de mettre, les croyances qu'on a, hein, bien sûr, et par rapport à la rencontre qu'on a fait, et de comprendre que ben, c'est pas la même dimension qu'on est en train de vivre. L'évolution, bien sûr, c'est au début, on passe par la nuit noire de l'âme pour certains, on va guérir, on va comprendre l'âme sacrée qu'on a avec son autre. Essayer, bien sûr, de comprendre ce moment où on s'est retrouvés ensemble, le baiser, surtout, c'est Monsieur le Runner qui doit comprendre que pour la première fois, ben, il se sent bien, voilà, et il faut qu'il comprenne que c'est un apprentissage pour travailler sur ses peurs et se reconnecter bien sûr à la source. Des nouvelles, bien sûr, il faudrait qu'il en donne, bien sûr, mais pour le moment, il en donne qu'à d'autres partenaires, bon, qui l'aident à guérir, avec qui ben, il fusionne, bien sûr, qui papillonne, et avec ses autres partenaires, bien sûr, il comprend le lien de sa sexualité qu'il a eu, bien sûr, avec le chaser. Il met du temps, bien sûr, à comprendre que ben, il aime, qu'il a envie d'être guidé vers elle, parce qu'il comprend que pour elle, ça a été... Pour lui, c'est une récompense de la vie, c'est un cadeau, sauf que, ben voilà, c'est qu'il a rejeté les retrouvailles. Et le bilan, c'est que ben, le chaser ben, s'occupe de soi. Vous inquiétez pas, je vois les cartes là, donc je le sais. Donc elle s'occupe de soi. Et bien sûr, ben, elle profite avec ses amis. Donc elle a reconnu, elle travaille sur ses dons, sur ses amis, ses crises aussi, hein, bien sûr, ses impulsions. Donc, il faut lâcher prise, bien sûr, pour le runner de, ben, des partenaires d'accord qui l'aident à guérir. Parce qu'il faut qu'il guérisse de cette jalousie aussi qu'il y a autour de lui, par rapport, bien sûr, ben, à l'invitation qu'il a eue. Ou, bien sûr, ben, il a été dans l'émerveillement avec sa féminine. Bien sûr, on lui a dit le tout et des contraires. On a essayé de les guider vers une autre histoire. Mais pour progresser dans un autre milieu, bien sûr, pour que justement il aille dans un autre chemin. Voilà, et qu'il ne se retrouve pas avec madame. Qu'est-ce qu'on va me dire?
Oups. Donc, on me parle de projet, de réflexion et de pensée. Donc, bien sûr, par amour. Hein. Donc, oui, on veut retrouver la stabilité, l'équilibre. Oui, il y a eu beaucoup de souffrances et de blessures du passé. Donc, on est vraiment en train d'y penser en ce moment, ce qui est déjà bien. Hein. C'est déjà d'y penser. Bon, c'est vraiment en gestation, donc on le confirme. Donc, bien sûr, on sait très bien qu'il y aura une justice hein, par rapport au conflit. Alors, il pourra peut-être avoir des disputes ou quoi que ce soit, mais on sait très bien que on sera obligé de passer par là parce que ben, y a des souffrances. Donc, la justice aussi, c'est de trouver l'équilibre. Hein. Donc, c'est en gestation pour retrouver un bon équilibre et par rapport à nos rêves et espoirs. Donc, bien sûr, la stabilité, l'équilibre, c'est en gestation par rapport à nos rêves et espoirs. La justice, bien sûr, c'est par rapport à nos projets, les réflexions et les pensées. Et bien sûr, la souffrance du passé. Donc, on pense à inviter son autre. Hein. Voilà, donc on a parlé du runner. De monsieur, mais après vous adaptez ça à votre situation. Si c'est un lien d'âme, ça sera peut-être madame. Et si bien sûr c'est un lien de flamme jumelle, ça sera monsieur, logiquement. Hein. Voilà. Mais en tout cas, même madame peut penser à une invitation, hein, dans tous les cas. Donc bien sûr, on pense bien sûr à une invitation et pourquoi? Parce qu'on a flashé sur son autre et qu'on le sait, qu'on y pense et qu'on garde nos rêves, on garde espoir. C'est toujours en gestation dans son cœur de dire je veux l'inviter, mes rêves, mes espoirs, c'est avec elle, avec lui. Et bien sûr. On a flashé, mais bon, il y a eu des disputes et des désaccords. Je vais. On va voir. Oups. Donc, ça va aller en conclusion vers du positif. On va essayer d'aller vers du positif. J'aimerais en avoir encore une. Ben, on a deux. Bon, oui. Même si on est dans la tristesse, dans la mélancolie, on va penser à notre union sacrée. Même si ça peut, pour certains, être karmique. Mais on est dans la mélancolie. Donc, on veut aller vers du positif. Parce qu'on n'est pas bien sans son autre. Ouais, on est dans la solitude, dans l'isolement, et on veut vraiment une complicité, un rapprochement. On parle d'un retour d'un ex, hein, donc voilà. Même s'il y a des doutes, des tracas, une remise en question, on va vraiment, on confirme bien, trouver de l'aide, du soutien pour
Il y a bien eu distance, éloignement, voilà, mais il va avoir une mise au point. Pourquoi? Parce que ben, on veut un amour partagé et heureux. Attention, bien sûr, il y a eu pour certains le triangle amoureux, mais ça, c'est dans presque tous les couples de flammes jumelles. Donc ça, on le sait tous très très bien. Mais ça, c'est entre parenthèses, parce qu'il y en a qui vont le faire, d'autres que non. Donc avec les petites questions sentimentales, on va voir ce qu'on va nous donner comme réponse sur trois cartes. C'est une âme sœur, elle te guérira de tes blessures. Alors, il est peut-être avec une âme sœur en ce moment, voilà. Fais le premier pas. Peut-être les réponses que vous attendez, hein. Alors, ou peut-être pour monsieur qui attend une réponse aussi. Donc, c'est pour certains, c'est vraiment une âme sœur et d'autres, c'est vraiment l'âme sœur qui guérira monsieur. Pour d'autres, c'est bien sûr fait le premier pas, va guérir avec cette personne. Je suis désolée d'annoncer ça, mais en tant que flamme jumelle, des fois, voilà, si vous êtes au début de la relation, de la reconnaissance, si vous êtes le runner, et pour si vous êtes monsieur, entre guillemets, et si c'est le côté yin. Pour côté Yang, vous savez au moins qu'il est en train de guérir ses blessures. Et peut-être que vous devez aussi faire le premier pas, peut-être. Parler, discuter, peut-être parce qu'il n'ose pas. Je t'aime en secret. Voilà, ça c'est des bonnes réponses qu'il vous dira. Et j'ai besoin de preuves. Donc je pense que le fait de faire le premier pas, c'est j'ai besoin de preuves. Que c'est quand même des bonnes questions. On va essayer de donner un peu des indices. Ça ne parlera pas à tout le monde des indices, hein. Bon, pour certains, ça peut être une femme blonde, un homme brun. Et entre 7 et 14 jours, pour moi je dirais peut-être donner des nouvelles, hein. Alors bien sûr, femme blonde, femme brun, ça peut être l'un ou l'autre, hein, bien sûr, c'est parce qu'on peut être teint en vérité, on peut avoir une teinture. Après, ça peut être grisonnant, ça peut. Mais on était brun avant. Alors, entre 7 et 14 jours, je pense, pour se donner des nouvelles. Et pour moi, je dirais que ça fait entre 6 mois et 1 an que vous êtes connu. Ou que si c'est par rapport à l'âme sœur, peut-être que ça va durer 6 mois et non, ce que je voulais dire. Faire le premier pas, c'est peut-être monsieur. Voilà, qui va faire le premier pas.
Peut-être qu'il s'en est rendu compte depuis 7 à 14 jours qu'il vous aime en secret, il ou elle. Bon, petite taille. Et il y a quelques mois en arrière. Donc, vous l'avez rencontré il y a quelques mois en arrière, bien sûr. C'est un homme de petite taille pour certains. Bon, ça pourrait être une femme blonde aussi de petite taille, pourquoi pas. Vous l'avez vu sûrement entre 7 et 14 jours, il y a quelques mois en arrière. Il y a de l'amour en secret. On vous dit de faire le premier pas. On dit plutôt pour monsieur, mais ça pourrait être aussi pour madame. En tout cas, la relation pour moi, pour l'âme sœur, durera de 6 mois à 1 an. Le temps des blessures. Alors, c'est peut-être avec une femme blonde. Hein. Bon, femme blonde, vous savez, ça peut être cheveux blancs, ça peut être blond cendré, blond châtain, ça peut être même roux clair. Voilà. Donc, cheveux courts. Le complot manigancé calculé, donc ça a été entre 2 à 3 mois. Donc pour moi, attention, hein, parce que c'est une personne qui a eu les cheveux courts. Alors, ou c'est monsieur qui a fait le complot et que c'est calculé, entre guillemets, pour que vous fassiez le premier pas, ça aussi, qu'il ne vous parle pas, qu'il est parti peut-être avec une autre. Il y a peut-être 2 ou 3 mois que peut-être... Il a rencontré cette personne et qu'il ne vous a rien dit. Hein, et qu'en même temps, peut-être vous vous êtes rencontré il y a quelques mois en arrière, donc entre 2 et 3 mois, on précise. Ou peut, pour vous. Moi, je dirais pour... Dodec, on me dit il y a des années en arrière, moi je dirais plutôt pour l'âme sœur que peut-être il a connu, ou peut-être vous aussi, hein. Vous verrez, ça c'est des indices supplémentaires qui peuvent peut-être vous aider, mais c'est vraiment, moi je garde surtout cela. Après, le complot manigancé calculé, attention, c'est peut-être aussi par rapport à l'âme sœur qui a fait en sorte de récupérer son autre, puisque... Peut-être qu'elle était déjà avec, puisqu'on parle quand même de 6 mois à 1 an. Peut-être qu'elle le connaissait peut-être déjà depuis des années. Puisque vous, là on dit qu'il vous aime en secret, qu'il a entre 7 et 14 jours, vous avez été pour moi ensemble, hein, tous les deux. Voilà. Pour moi, vous vous reverrez dans 6 mois, voire 1 an. Vous êtes déjà rencontrés il y a quelques mois en arrière. Mais il y a eu un complot. Un complot. Alors, je pense... je ne sais pas si on aura plus de renseignements sur le complot. Alors, complot, vous savez, c'est peut-être pour vous inviter aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus sur le complot? Ça serait un complot de grande taille, moi, je dirais. Coloré, donc, je dirais joyeux. Avec une femme brune, personne frisée, entre 15 et 30 jours, tâche de naissance et dans un parc ou la nature. Donc peut-être c'est peut-être rien de méchant, hein, c'est peut-être seulement
Oui, un complot peut-être pour vous faire, parce qu'on a parlé de sorcellerie, pour vous faire du mal. Ou peut-être aussi pour... Ouais, pour vous faire du mal, je dirais. Ou peut-être vraiment une belle surprise, mais... Bon, ça c'est vraiment en plus. Il y a encore des années en arrière. Les cheveux. Elle avait les cheveux longs. Et elle était beaucoup plus jeune. Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. À vous de voir à qui ça parlera, parce que je vais essayer de la réponse pour le complot. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut nous dire côté sentimental? Il y a une autre personne dans son cœur. Montre-moi davantage que je te plais. Prouve-moi les choses. Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Mais bon, bien sûr, il y a une autre personne. Vous voyez l'avenir différemment. Donc, entre guillemets, on vous a... Dans tout ce que je vous ai dit, vous savez qu'il y a une autre personne. Le complot, quelque part, c'est parce qu'il y a une autre personne. Donc, vous le savez. Et c'est indirectement, je risque de te tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que pour le moment, je suis avec une autre personne. Et on voit l'avenir différemment. Donc, le complot veut dire beaucoup de choses, vous le savez. Vous allez peut-être vous rencontrer dans un bar, dans la nature, ou rencontrer cet autre, et peut-être que ça va être comploté pour que vous rencontriez et que vous sachiez la vérité. Voilà. C'est peut-être ça aussi, le petit complot, qui sera pour vous au début un moment coloré, un gros complot, et que finalement, ça va pas vous plaire du tout. Moi, je dirais plutôt ça. Voilà, mais au moins, vous saurez la vérité. Ce qui n'est pas très plaisant. On va essayer de voir s'il y a d'autres réponses. Est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? Est-ce qu'il y a une autre réponse, s'il vous plaît, pour mes boubous d'amour? Si tout se coordonne bien, oui, ne t'emballe pas trop vite. Voilà. Donc, les questions que vous pouvez poser, quelque chose de nouveau est prévu. Donc, il y a un complot, mais quoi exactement? Alors, peut-être aussi pour que l'autre vous voie, qu'elle décide de se séparer. Voilà, c'est à vous de voir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est des petites réponses qu'on vous donne, que je vous donne en plus. Mais oui, ça peut être intéressant à savoir. Alors, par contre. Pour ce complot, j'aimerais vraiment avoir une date. Parce qu'on a parlé de jours. Donc vous voyez, c'est des petits oracles qui sont quand même assez sympathiques, qui sont assez complets. C'est pour ça que je voulais vous en faire profiter. Et que je vais me servir, bien sûr. Même si ça peut être flou et un peu sur le coup, mais dites-vous bien que
Après, oui, on a quand même de belles réponses parce que là, déjà, vous savez qu'il va y avoir un complot. Vous êtes déjà au courant, plus ou moins. Donc, on me parle pour... Alors, ça peut être aussi pour les signes. Alors, ça peut être au mois de septembre, hein, le signe de la balance. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être signe de la balance. Et il y a déjà quelques mois de ça. Alors, peut-être que vous avez déjà découvert le complot pour certains. Peut-être que vous n'êtes même pas rendu compte que vous les avez croisés. Et peut-être que c'était déjà au mois de septembre, septembre-octobre. Donc on parle du mois de février aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Ah, peut-être qu'il faudrait donner des nouvelles. Hein. Peut-être. Bon, entre bon, l'été aujourd'hui, ce week-end, donc il va se passer entre quelque chose entre aujourd'hui et ce week-end et jusqu'à l'été, je dirais. Voilà, parce que j'ai mis les cartes à l'envers. Donc, il y a quelques mois en arrière, donc on parle de février, voilà. Il s'est passé quelque chose dans le passé avec une personne, peut-être du signe de la balance, peut-être. Et certes, alors on parle aujourd'hui, demain, ce week-end, l'été. Est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ce week-end? Ou aujourd'hui? Au moins une carte. Alors, j'aimerais finir avant qu'il n'y ait plus de batterie. Bon. Je vais aller la chercher. Je te veux, je te désire. Alors aujourd'hui, il a envie de vous, il vous désire. Ce week-end, c'est ton ressenti est le bon. Donc vous avez... Et pour cet été, j'ai besoin d'espace. Donc, pour le moment, il a besoin d'espace. Donc, même si vos désirs sont le bon, pour le moment, il a besoin d'espace. Voilà, c'est... Donc, pour le moment, il ne reviendra pas. Puisque il a besoin d'espace, en tout cas, tout l'été. Hein, même si... Il a envie de vous, il a... Alors, ça sera peut-être au mois de entre septembre et février que peut-être ça va s'arranger aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes en ascension spirituelle et bien sûr, vous changez de regard. Un temps pour comprendre. Donc, voilà, j'ai besoin d'espace parce qu'il a un besoin... Le temps pour comprendre. Et la source, bien sûr, je suis le cheminement qui te mène vers toi. La source et épouser ses différences. C'est vous qui choisissez, mais bien sûr, il n'est pas encore prêt. Voilà. Il y a encore des libérations karmiques. Donc, même s'il pense à vous, vous savez que... ben le complot, c'est peut-être cette femme aussi qui vous l'a pris. Voilà. Comme peut-être, ça sera une rencontre pour vous mettre face à face. Ou vraiment, certains, ça sera jusqu'à de là, puisqu'il y a eu la carte de la sorcellerie qui est sortie de la sorcellerie. Ce qu'on essaye de, hein, d'éviter. Et bien sûr, il pense à vous, mais voilà, il n'est pas encore prêt. Voilà, voilà. Donc, j'espère vous aider au plus haut point, au moins pour ce petit parcours qui j'aime bien. Et je vous parlerai encore, bien sûr, d'autres cartes avec d'autres oracles
Et là, je trouvais ça très sympathique de parler un peu des flammes jumelles autrement, avec d'autres regards que d'habitude. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour. Je vous dis à bientôt. Donc, c'est Luciane, si vous cherchez ces oracles, qui peuvent vous donner aussi des réponses, qui sont sur Etsy, avec qui je suis rentrée en contact. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des réponses qui sont très très sympathiques. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, bien sûr. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, j'aurai aussi l'oracle de la personne qui vous aidera peut-être un peu plus pour certains, certaines. Bon, bien sûr, chacun fait comme il veut, chacun voit comme il veut aussi. Mais je trouve en tout cas, c'est très sympathique pour avoir des réponses. Bien sûr, là, je vous en ai tiré plusieurs, mais logiquement, on ne tire pas autant de cartes pour des réponses, pour des dates, des trucs comme ça. On va tirer trois cartes. On n'essaye pas d'avoir des réponses sur tous les jours, entre guillemets, puisqu'on n'aura peut-être pas de réponse. Voilà, sur ce, je vous embrasse vraiment tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et bisous, bisous. À bientôt.